Yo tout le monde, c'est Fusing Ghost. Aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 3 pour une petite vidéo, enfin pour une petite partie, pardon, sur la carte épicentre, donc c'est Aftermath. Donc bon là je commence avec le sniper, bon c'est pas fait exprès parce que je buguais, je pense que vous le remarquez. Ça buguait un peu, et donc bah en fait j'étais en train de jouer, et tout d'un coup j'ai eu l'idée en fait de commencer à record, et puis j'étais dans la partie donc avec Fusing Stars, donc il était en face de moi. Parce qu'en ce moment je sais pas pourquoi mais j'ai en BF. Quand on lance en groupe, souvent la personne avec qui est dans votre groupe va atterrir dans l'équipe adverse. Et ça c'est un peu dommage quand même, parce que bon, nous on aimerait bien être ensemble, mais bon moi ça m'a pas dérangé d'être contre lui. Parce que justement ça fait un petit peu de challenge et tout ça. Enfin c'est assez drôle. Donc faut savoir que bon là il y avait quand même une connexion, enfin j'avais une connexion qui buguait. Donc vous inquiétez pas, je vais vite passer à l'arme, à la mitraillette normalement. Tout simplement parce que sniper je ne gère pas trop sur ce jeu. Sachant que pour débloquer toutes les armes, j'avais fait avec le P90. Donc là on m'a fauché, double kill, yeah. J'étais déjà super heureux. La partie commençait super bien et bim, voilà, il y a Fusing Stars qui vient et il me tue. Le petit fourbe, il mérite des fessées. En plus il joue avec la M249, bon c'est vrai qu'elle est assez bien. Donc on va prendre la M16 à 3 je pense. Oui, parce qu'il faut savoir que là je commande pas en direct. Tout simplement parce que vu que j'étais en train de jouer et tout, il y avait plein de gens de la Fusing pour une fois dans le groupe. Enfin pour une fois on est toujours assez regroupés, mais genre dans les groupes d'amis on arrive rarement à être tous connectés en même temps. Ou alors en tout cas on n'est jamais sur les mêmes jeux. Parce que bon, le seul jeu qu'on a tous en commun c'est Black Ops 2. Et comme Black Ops 2, on fait pratiquement que du zombie, c'est du 4 joueurs quoi. Donc bon, on y joue pas souvent. Donc là il y a plus Fusing Stars qui camp. Bim, on se le fait à la M16A3. Là, il était en train de rager je crois dans le micro. Il avait pas capté que c'était moi je crois. Et donc là hop, on voit un deuxième petit ennemi, on lui tire dessus. Je tire pas très bien mais bon c'est pas grave, il est mort. Donc là on voit qu'on est en zone de combat un peu trop loin. Donc je pense que vous avez remarqué que j'ai publié le survie d'Anvil numéro 4. Donc il y a deux parties. Pourquoi deux parties? Parce qu'en fait la vidéo entière faisait 1h10 et d'habitude j'arrive à les upload en à peu près 800 minutes. Ça fait beaucoup, je sais pas combien ça fait en heure. Sauf que là cette fois il n'y avait pas 800 minutes, il y en avait plutôt 1533. Quand j'ai capté que ça faisait un peu plus de 20 heures d'upload, j'ai décidé de mettre en deux parties, donc une partie de une demi-heure, donc la première, et la deuxième partie de 40 minutes, et donc voilà. Et donc c'est pour ça que ça, que mon zombie survit dans ville numéro 4 est en deux parties. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé, mais bon, voilà. En tout cas, c'est plutôt good. Donc il y a aussi donc le 1 week-end d'une série numéro 4 qui arrive. Donc le 1 week-end d'une série numéro 4 va se dérouler sur Terraria. Pourquoi sur Terraria? Tout simplement parce qu'en fait le 1 week-end d'une série de août. Oui, de août. Donc le numéro 5 sera sur Black Ops 2. Donc sur Black Ops 2. Et en fait, je fais justement là un truc. Donc là vous voyez que ça bug à fond. Donc là en fait je fais sur Terraria, donc 3 épisodes qui sont pas très longs. Tout simplement parce que je vais commencer dès maintenant à faire le 1 week-end d'une série numéro 5. Tout simplement parce que ce sera 5 vidéos zombies ou 3 vidéos zombies. Mais pas de la lutte, hein, du survie. Et donc ce sera sur 3 maps différentes de Black Ops 2. Sachant qu'elles feront à peu près plus d'une heure chaque vidéo. Donc c'est pour ça que il y en aura peut-être qui feront même 2 heures. On aura peut-être même en deux parties, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est pour ça que sur un week-end une série numéro 4 sur Terraria sera un peu moins long. Parce que le numéro 5 va me demander beaucoup de travail. Parce que 3 vidéos de 1 heure ou plus, ou alors 5 vidéos de 1 heure, je peux vous dire que c'est assez chaud à uploader. Donc là, l'eau était blanche, en fait, c'est pour ça que je me posais des questions. Hein, voilà. En même temps, une piscine, là, en plein milieu de plusieurs bâtiments, c'est pas très intelligent. Parce que, il n'y a pas de soleil, donc l'eau n'est pas très chaude, à mon avis. Oui, parce que voilà. En tout cas, donc voilà par rapport à un week-end une série. Donc merci encore à tous ceux qui regardent toutes mes vidéos, parce que là ça fait quand même 432 abonnés, c'est vrai. C'est vraiment super. Moi franchement je suis hyper content. Merci à tous, même si vous regarderez pas tous cette vidéo. En tout cas,
Je compte bien fêter mes 500 abonnés quand ils seront là, si un jour je les aurai, mais bon, je pense que je ne m'arrêterai pas là. Sachant qu'il y a encore pas mal de vidéos, en ce moment vous avez vu aussi que je diffuse un nouveau super hostile avec Gauthier, donc sur Minecraft, qui est sur Legendary, donc la super hostile numéro 7. Bon, c'est la troisième que je fais sur ma chaîne, mais bon, ça, c'est quand même la numéro 7 en vrai. Donc là je faisais du 4-4. Bon, c'est clair que sur BF je fais pas des super parties parce qu'en fait on doit tout enregistrer en live. Et sachant que j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur cette map et que bon là c'était pas encore catastrophe le score, ben je me suis dit ben, que bon j'allais quand même vous la publier. J'espère que ça vous aura pas dérangé. Donc faut aussi savoir que bientôt je vais acheter un micro style Blue Yeti, pas le Blue Yeti mais un qui est à peu près pareil. Tout simplement parce que là j'en ai un peu marre. Enfin j'aurai toujours mon casque hein, parce qu'en fait j'en ai un petit peu marre en fait d'avoir justement toujours mon casque sur les oreilles pour pouvoir parler bien. Et bon, ça me saoule un petit peu. Donc je vais acheter donc un micro style Blue Yeti. Je ferai sûrement un unboxing d'ailleurs. Pour justement plus avoir de casque. Et en même temps la qualité son sera encore meilleure que mon casque qui est là. Et sachant que là c'est déjà très très bon la retransmission du micro. Mais c'est bon, hein, je garderai quand même mon casque. Mon casque en fait, je l'utiliserai plus pour les live commentary, sachant qu'ils seront devant ma télé. Et devant ma télé, ben, j'aurai pas de perche hein, pour le micro. J'aurai juste un petit machin pour le poser sur ma table et l'avoir en face de moi. C'est pour ça que je l'utiliserai plus justement l'autre micro pour tout ce qui est devant mon PC ou vidéo, ben, justement comme ça en voix off. Et ben, plus ben, mon casque ben, pour les live commentary sur Xbox, par exemple comme les zombies. Enfin, je verrai ça, mais bon, ça se passera comme ça. En tout cas, je ferai de toute façon un unboxing et en même temps, dans l'unboxing, je ferai un test son. Sachant que là, je me suis bien fait les bim, hop là, je lui cale une balle de magnum. Lui, il est mort, par contre, mon allié, il a encore tiré dessus, il est un petit peu bête. Donc, bref, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie tous un à un, pardon. Et donc, bah, on se retrouve bah, pour la prochaine fois. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo ben, si vous avez aimé. Et moi je vous retrouve pour la prochaine fois. Ciao et à la prochaine. Bye.